Et on continue. Encore 3 dans l'orchestrion, décidément. Créatures ennemies. Allez, à nous de jouer. On va pénétrer tous les deux dans cette base bizarre et pas du tout flippante. Vous êtes sûr de vouloir me suivre? Ah, j'ai pris ma décision, je viens. Par contre, je suis pas aussi baroudeur que toi. Alors, pas de précipitation, d'accord? Vas-y, passe devant. On va le retrouver, ce petit chenapan. Eh ben, let's go. Let's go. C'est quand même la deuxième fois déjà qu'on fait la visite de ce raid, il me semble. Ouais. Ça me manque de raccourcir. Oh, c'est vraiment pour les fans. Hein. Comme ça, ils s'apprennent bien. Les fans de Nier, tu veux dire? Oui. Ouais. Ouais. Je te dirai une fois que je l'ai fait. Une fois que je l'ai fait, je referai peut-être ces quêtes-là histoire de. D'avoir tous les éléments. Ah oui, oui. J'arrive à l'accès à la base. Moi. Ok, pareil. Surtout que ce raid, enfin la deuxième raid, c'est, on l'a déjà fait une fois complètement la base quoi. Oui. Ouais. C'est pas là. Bon, ça garde vraiment en mémoire ce qu'on a chopé là, dans les caisses. Oui. Cool. Moi, je t'avoue que je regarde pas les caisses là. Non, bah. Allez, je suis accès au vaisseau extraterrestre. Ok. Qu'est-ce que c'est beau? Oui. Monter les escaliers. Pareil. Passerelle. J'arrive, mais j'ai pas le peloton moi. La vache, c'est vraiment fascinant hein. Avec cette technologie autour de nous. Dommage qu'on ait pas le temps de s'y attarder. La dernière fois, Konog était derrière cette porte, c'est ça? Croisons les doigts pour que ce soit de nouveau le cas. Thank you.
Oh non, Konog. Oups. Pas la bonne couleur. Habitants de ce monde, ouvrez grand vos yeux tandis que nous scellons votre destin. Ah! Je sais ce que vous pensez, mais gardez vos questions pour plus tard. Pour l'heure, on doit détruire cette fichue sphère. Faut pas rester ici, c'est dangereux. Putain, on s'est pointé trop tard. Mais enfin, que se passe-t-il là? Désolé, j'aurais bien pris le temps de tout vous expliquer, mais le temps nous est compté. Il faut à tout prix détruire la sphère. Les deux P qu'elles ont créées sont passées à l'action. Elles sont parties pour engloutir ce monde. Nous ne les laisserons pas faire. Si nous sommes ici avec vous, c'est justement pour ça. Et puis, nous le devons bien. Après tout, c'est toi qui as activé 9S. On va régler ça vite fait bien fait. Ensuite, on aura tout le loisir d'étudier ce monde en détail. Pas vrai, 2B? 9S, concentre-toi sur notre mission. Ah, pardon. Vous, moi, 2B et 9S, si on unit nos forces, je suis sûr qu'on peut les arrêter. Ne nous laissez pas tomber, s'il vous plaît. D'accord, si tu me promets de tout m'expliquer plus tard. Merci. Monsieur le Poirion, je sais que c'est beaucoup vous demander après tous les soucis que je vous ai causés. Mais prenez bien soin de mon frère, s'il vous plaît. T'habille pas, et va faire ce que t'as à faire. Le reste, on verra après. En attendant, je vais transporter Konog jusqu'à votre planque dans la grotte. Décidément, il m'aura fait suer dans tous les sens du terme, celui-là. La tour nous attend. Allons-y.
accès autorisé à la tour de contingence. J'en ai fait une partie. Je vois pas de personnage connu. On sait que ça doit être dans la deuxième partie alors. Je sais pas à quelle partie c'est du coup. Bah me dis pas alors. Bah non. Tour de la contingence, c'est parti. Ça va, on a mis quoi, 25 minutes ? Il y a un groupe de 10 DPS qui est arrivé quoi. Ah, ou c'est une roulette. Des roulettes. Ah oui. Allez. Ne prêtez pas attention, rien qui dise non de sens. Cette porte est verrouillée. Pour l'ouvrir, vous devriez infiltrer le réseau ennemi et éliminer l'entité qui la bloque. Je vais pirater le réseau. Plongez dedans et faites tomber les défenses ennemies. Entrer dans le cyberespace, carrément. Pardon ? On est entré dans le cyberespace. Ah oui, d'accord. Nous sommes entrés dans le réseau interne de la tour, aussi appelé le cyberespace. Vivre, c'est connaître la solitude, c'est connaître l'amour. Je renaîtrai encore et encore jusqu'à éprouver réellement les sentiments. D'ici là... Je vais pas répéter la série de chiffres. Hein. Jack. C'est Jack. C'est Jack, ouais. Tout le monde va à gauche. Allez à gauche avec ouais. Eux. Ah. C'est bon, ça passe. Oula, tout le monde vient. Tout le monde vient au centre. Je vais au centre avec eux. C'est dupliqué. Hein, attention, il y en a un à droite. Ouais. Un truc qu'on fait combinaison. 1 et 2. Il prépare à frapper, ouvre l'œil. Ok, extérieur là. Il frappe sur les extérieurs. Et son copain. Non, c'est pas son. Il fait la même chose sur les extérieurs aussi. Ok. J'ai pas vu qu'il y ait des boules derrière. Une fameuse boule. C'est vers l'avant a priori. Derrière le mur. Pareil, je suppose.
Et ils sont 3. Attaque puissante au centre d'abord. Ensuite ce sera celui de gauche qui fera une attaque puissante aussi. Donc au centre. Et le troisième fera sur les extérieurs, donc on va se remettre au centre. Oui. Mais ça va celui-là pour l'instant. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait l'attaque puissante en même temps. Boulette et j'ai pas fait gaffe à l'attaque en même temps. Okay. Ça pique. J'avais mon bouclier, moi ça va donc à ce moment-là. Ils sont à nouveau 3. Le deuxième sera à droite. Du côté pour lui. Après au centre, ensuite droite. Et sur les côtés, sur toute gauche. Ok, très bien. Bah, j'ai bien aimé ce combat. Pas mal. Est-ce qu'on peut se casser la figure? Non. C'est très cool. Ouais. B. Ah, Kaspersky. Non, Windows définitivement. Tout le monde est mort, il ne reste plus que moi. Et je ne veux pas partir toute seule. Hansel et Gretel. Non, non. Ah, si, si, c'est marqué. Je sais pas où il faut se mettre là. Il y en a qui courent dans tous les sens. Ouais.
Ok. On va dire qu'on a eu de la chance de pas mourir. On va faire. Ok, on change d'adversaire. Oui, on va dire ça. Ah. Je sais pas où là. Et bah j'étais super limite. Ouais, j'ai vu ça. Là. La moitié du groupe. Ouais. Merci, je vais attendre la chouïa. Oui.
Ah, je sais plus si c'est Hansel ou Gretel qu'on doit attaquer. Il va se blinder. C'est Gretel. Qui a fait cette attaque là? Ok. Sortir du cyberespace. Ça avance. N'importe, exterminer nos ennemis c'est tout ce qui compte. On voit une autre, c'est reparti pour du piratage. C'est 2P, x 3. On va les attaquer là s'ils continuent de faire ça. Ah bon, ça s'arrête. Ah d'accord. Maintenant quand on nous parlait de problème de lisibilité. Vous ne pourrez jamais nous anéantir. De quoi? C'est une fille en rouge. Ah oui. Alors toi t'es bien en mange en rouge. Oui. En rouge et noir. J'écrirai ma peine. Ah.
D'accord, que dois-je faire? Je suppose. Je sais rien. Voilà. Ah, c'est du bébé. Mais c'est la fin. C'est tellement chelou. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, ça, ça casse. Eh, vous avez... En fait, vous avez cassé des murs, je crois, si j'ai bien compris. J'ai l'impression que je ne peux pas te casser dans ce cas. Ouais, je suis au même endroit que toi. Je sais pas si c'est bien ou pas. Quand ? Ah ouais, non, c'est fou. Ouh là là, j'ai eu chaud. Ah, pour se mettre derrière. Ah, ah, trop tard. Ok. J'ai l'impression d'être derrière pourtant, mais ok. Merci Scarlett. Remords, mais là j'ai pas compris pourquoi par contre. Ah, j'ai pas de mana. Wow. Oula, je me sens pas celui-là. Attends, moi je bouge. Ok, j'ai attendu pour bouger. Ah ouais. Ok, rien compris, mais ok. Merci. Rien. Ah, ça fait mal aux yeux, ça presque, hein. Votre compte sera de contempler l'anéantissement de votre monde. What? D'accord. La version de... Ah d'accord, on change... Ok. Ah, c'est bien fou ça. Il faut être blanc, je suppose, pour pas être gêné. Quoi? J'ai l'impression, ouais. D'accord. Ils ont développé une feature juste pour ça, quoi. Admettons. Alors je suis approché mais je sais pas ce qu'elle veut faire avec. Tirer. J'ai l'impression. Ah je suis en marche forcée, d'accord. Très bien. Ah il faut anticiper en fonction de ça. Purée, non, il partait à gauche, à droite cette fois. Hop, ok, c'est bon.
compliqué là. Même en fonction de la couleur joue en fait, en fonction de la couleur des murs et tout. Blanc, noir, noir. Je suis mort. Ouais, il y a un météore qui tombait. Oui, j'ai vu qu'il est trop tard. Merci Scarlett. Ah d'accord, c'est cette fille-là, ok, c'est bon. Oh, je peux passer à mourir. J'aime pas du tout ce combat. T'as encore enchaîné? Non, pas encore. Pas cette fois. Je comprends pas tout ce qui se passe. Moi non plus. Essayons de changer. J'ai pas fait de chance. Oula. C'est bon. Très amusant. Bon. Sur ce, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est pas sérieux, ça. Avec ça, pas maintenant. On remerciera Steam. Cette plateforme devrait nous emmener au sommet. Ennemi repéré. Long cet ascenseur, ouais. Bon, ils sont toujours moins longs que ceux dans Mass Effect. Oh. Ah, c'est de l'autre côté. Ok, donc ça va être le centre. Ah. Ok, il y en a deux par contre. Ok, donc lui au centre. Deuxième au centre également. Comment t'arrives à déterminer? En fonction de là où il attaque. Là au centre le premier. Et derrière il va être sur les extérieurs parce qu'il est sur ses ailes extérieures là. C'est en fonction de là où part l'attaque. Lui devant nous il va être au centre et l'autre il va être sur les extérieurs. Et il y a un petit robot qui s'est juste mettre au milieu en plus. Ah. Je vais mettre par là, comme ça. J'ai suivi les gens pourtant.
impénétrable. Il y en a un de moins déjà. Attaque au centre. Il réattaque au centre. Il est mort avant. Bah, je préfère comme ça. Ils ont eu leur compte. Je ne détecte plus aucune signature ennemie. Tout le monde va bien ? Vous savez ce qui se passerait si nous détruisons cette sphère? Encore elle. Nous devons les arrêter. Ah, ça c'est pas bon signe. Comme ça que le nez qui est plané. La question par contre c'est est-ce qu'ils ont attendu pour démarrer le combat ou pas? Des factice. Oui, ah bah dis donc. Ça. Alors là. Sur du raid d'alliance, c'est pas souvent quand même, hein. Ouais. On a l'air d'aller sur les côtés. Okay. D'accord. Son bras, elle va aller à l'opposé. Faire du bullet oh L là. Enfin du quasiment. Du laser L. Ok. Bon ça va. Voilà, va falloir aller vite à droite là.
Tiens, c'est marrant, je serais de l'autre côté, moi. Mais ok. D'accord, donc c'est pas son bras. Ouch. Ouais. J'ai l'impression que c'est 1 sur 2, mais je sais pas comment tu dis si c'est à droite ou à gauche. Hein. Les lasers. Non, on a passé un étape avant. Phase 2. Ce lieu déborde de lumière. Qu'est-ce que... Le paysage a changé. DS est close, du coup. Quoi ça? À gauche, d'accord. C'était pas par là. Bah, je suis été expulsé à l'extérieur. Ah. C'était pas clair la vision là. Ici, c'est Cléo. Parfait, pardon. Ah, il faut montrer le bon côté, d'accord, ok. Ouais, ok. Ah, c'est pas mal ça.
Ouch. Ouch. Oui, ah. Oui, c'est... Oh, les quatre tombes. Raishin. Ok, bah je résume, c'est pas bien. Mais le blanc vers le truc blanc en fait. Noir, blanc. Ok. Ah oui, d'accord. En évitant les boules. Que j'ai pas encore trop compris comment ça fonctionne, mais. Ah si, d'accord. T'es pas mort. T'es pas mort, a priori. Non, mais alors. Avec 1% des feux, c'est pas compliqué. En arrière. Oh là, plus les lasers en même temps. Yes. Bien joué. On a gagné réalité virtuelle. Conquête de la tour de contingence. Eh ben. Voilà, il y a beaucoup de choses à récupérer. C'est quoi ça, méthode de coiffure? Quatre, trente-sept, quatre-vingt-treize. J'ai peut-être une chance de l'avoir celui-là. J'ai eu une mascotte. 93, j'ai perdu à 93. J'ai perdu à 83. Ouais, 34, je pense que je vais pas le gagner.
Bref, bon, c'était cool ça. J'ai bien aimé moi ce raid. Hein. Mmh. Toujours pas mal. Toujours surprenant. Ouais. J'ai gagné une mascotte quand même. La forme de vie mécanique. Hier. GG. Il y a eu quelques décès. Ouais, il y a eu quelques décès. Ouais. J'ai dû mourir trois fois, deux ou trois fois. Moi, je devais être plus que ça. Ah, il continue de s'élargir. À ce rythme-là, il va. Pas de panique, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais vous aider depuis l'autre côté, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Prenez soin de Konog. Analyse, unité Yora 2B et 9S Orlin. Examen de la zone mémorielle des deux unités. Lecture des données. Ici l'unité Yora 2B. Ceci est mon compte-rendu de bataille qui s'est déroulé ici. Avant toute chose, vous devez savoir que les unités blanches, la tour ainsi que la gigantesque entité féminine ont en réalité un point commun. Tout ont été créés par la sphère blanche. 9S et moi sont bien passés pour le savoir, car c'est aussi notre cas. La sphère est un portail entre les mondes, sa fonction première étant de détruire le vôtre. Le portail qui ne sera jamais tout à fait refermé, aussi longtemps que les entités étrangères seront présentes d'un côté ou de l'autre. Voilà pourquoi 9S et moi devons absolument rompre tout lien avec votre monde. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré et d'avoir passé ce peu de temps à vos côtés. Vous subsisterez dans nos mémoires sous la forme de précieux souvenirs. Du fond du cœur, merci. Fin de l'enregistrement. Ok. Mmh. L'étranger, ça va? Rien de cassé? La tour a disparu tout d'un coup, j'ai pas compris. Elle s'est pas effondrée, non? Elle s'est repliée sur elle-même comme une feuille de papier. Un drôle de spectacle. Enfin bref, content de te revoir en un seul morceau.
Tu vas pouvoir souffler un peu et m'expliquer tout ce bazar. On récupère 3 rouleaux quand même, hein.